Bonjour à tous et bienvenue sur le site du Jazzophone pour la semaine des concerts de jazz. Alors le concert de la semaine, ou plutôt les concerts de la semaine, sont la mini-tournée que va effectuer le trio de Fred Bosnitz, qui, je vous le rappelle, était le gagnant du tremplin du Nice Jazz Festival 2014, et qui vient d'enregistrer un nouvel album. Et ce nouvel album, nous allons pouvoir l'apprécier en public le jeudi 5 au Jam, rue du Commandant Raffali à Nice, le 6 à partir de 18h30 à la médiathèque de Cannes, avenue Jean de Nailles, et le 7 au Chaco, rue Rossetti à Nice. Le trio de Fred Bosnitz, donc. Ce mardi au Chaco, rue Rossetti à Nice, c'est Claudio Tuttarella, le bassiste italien, qui invite ses amis. Claudio a un groupe à géométrie variable. Il peut y avoir avec lui aussi bien le guitariste irlandais Donald Corcoran que le saxophoniste Manu Carré ou que les musiciens italiens Lelo Rampone et Luciano Del Gaudo. Donc, Claudio Tuttarella, ses amis, une surprise au Chaco ce mardi. Au Chaco également, nous aurons ce jeudi Scott Allen toujours avec son soul et son groove, avec Ronnie Ray au piano, Kiki Oblet à la batterie et parfois Jean-Marc Jaffé à la basse lorsque le cher Scott décide de n'être que chanteur. Au Chaco également, il y aura le dimanche 8, Sébastien Chaumont et son quartet. À la cave Romagnan, le samedi, nous aurons Deborah de Blasi qui sera accompagnée d'un trio de chants puisqu'il y aura Frédéric Vial à l'accordéon, Kevin Tardevé à la basse et Jean-Luc Dana à la batterie. Et le samedi 7, grand événement annuel, le Women on Stage, présenté par Nadia Skaïli chaque année lors de la journée de la femme. Ce Women on Stage aura lieu au Bispot 24 rue Maréchal Foch à Nice, comprendra trois groupes. Le groupe Engoy mené par Nadia Skaïli elle-même, la chanteuse Sika James et le groupe de trois chanteuses Nice Étoile. Voilà pour la semaine des concerts de jazz. À la semaine prochaine sur le site du Jazzophone. À bientôt.